السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها التلاميذ الأعزاء المستوى الأولى بكري، معكم يوسف سلام وعلى قناتكم ما جو كومينيكتيفي لفهم واستيعاب اللغة الفرنسية. إذن الهدف ديالنا الرئيسي هو تحضير امتحان جوي بشكل ناجح. تنقترح لكم لي فيغور دو ستيل في هذا الفيديو ديال لاباد ميرفاي دحمات صفراوي. إليكم أن الفيديو. إذن تنقترح لكم التصحيح ديال التعابير التالية مقتبسة من الرواية الشهيرة لاباد ميرفاي دحمات صفراوي. لي فيغور دو ستيل. On voit naître le drame, on le voit se développer, atteindre son paroxysme et finir par les embrassades ou dans les murs. Les figures de style de la boîte à merveille d'Ahmad Safraoui. On voit naître le drame, on le voit se développer, atteindre son paroxysme. إذن تنقترح لكم التصحيح ديال التعبير الخاصة باللي في ستيل دو لا بوات ا ميرفاي دحمات صفراوي. On voyait naître le drame, on le voyait se développer, atteindre son paroxysme et finir dans les embrassades ou dans les larmes. إذن هذا معنى ديالو غراداسيون. لماذا؟ لأن هناك تعابير مرتبة بشكل تصاعدي. On voyait naître le drame, on le voyait se développer, atteindre son paroxysme, etc. إذن هناك تعبير مرتبة بشكل تصاعدي. إذن في غرض السيل المقترح هنا هو كراسيون. Le matin débordant d'enthousiasme. إذن هذه الكلمة هذه enthousiasme. Et ne manquait jamais le soir de trouver quelques motifs de querelle ou de pleurs. Alors querelle et de pleurs. ضد تماما الجو ديال الانتوزيازم. إذن الكلمة ديال الانتوزيازم ضد ديالها هو التعبير كوريل اي دو بلور. إذن هذه تسمى انتيتيز تضاد انتيتيز. ما مير سو كاشون لو فيزاج دون سي دو مان بوزا ان لون سونغلو اي سو مي ا بلوري ا شود لارم. إذن عندنا ليكسبرسيون ان لون سونغلو. Il se met à pleurer à chaudes larmes. C'est surtout l'expression dit chaudes larmes. C'est une sorte de hyperbole. Chaudes larmes. Chacune des antagonistes, ça veut dire des rivaux ou des rivales, pour ce qu'il parle ici de la femme. Chacune des antagonistes ou des rivales penchée hors de sa fenêtre gesticulée dans le vide. Crachait des injures que personne ne comprenait, s'arrachait les cheveux, possédait des démons de la danse, elle faisait d'étranges contorsions. Alors, il y a ici deux types de figures de style, métaphore et gradation. Alors les femmes ici qu'on parle comme des démons, tout simplement. Alors c'était une tempête, un tremblement de terre, le déchaînement des forces obscures, l'écroulement du monde. Alors il y a gradation aussi, parce qu'il y a des expressions mises en ordre d'une façon croissante. Et hyperbole. Pourquoi hyperbole? Parce qu'il y a des expressions vraiment d'amplification ou d'exagération, comme l'exemple de tremblement de terre. C'était un tremblement de terre, un déchaînement de force, l'écroulement du monde. Là je vois ici hyperbole, un tremblement de terre, l'écroulement du monde. Voilà. Mes oreilles étaient au supplice, mon cœur dans ma poitrine heurtait avec force les parois de sa cage, les sanglots m'étouffèrent et j'écroulais aux pieds de ma mère sans connaissance. Oh, il y a ici trois figures du style, métaphore, gradation et hyperbole.
Mes oreilles étaient au supplice, mon corps dans ma poitrine heurtait avec force. C'est ce qu'on appelle ici l'hyperbole. Avec force, les parois de saccage. Il y a aussi les parois de saccage. Métaphore. Et aussi, il y a des expressions mises en ordre croissant. Son bras zéro entama timidement sa chanson. Timidement sa chanson. Hein? Entama timidement sa chanson. C'est une sorte de personnification. Son bras zéro. C'est un objet. Ici, c'est une sorte de personnification. On attribue des traits humains. إذن هنا تنقترح على هذا الشيء هذا تنقترح على هذا الشيء هذا دي زيكسبريسيون دي تيميدمون. Alors à la maison, ils faisaient trembler les murs, on racontait les moindres furtifs, tellement leur cordes vocales étaient à toute épreuve, et devenaient dans la rue affolés et gentiment mignon de aïe, 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 aïe. وترى غادي نمشي دابا السوي يلا نطلع دابا يلا صافا تنسنى كتسيت سير صافي يلا طلع انا نطلع ما نطلع يلا سير alors on continue à la maison elle faisait trembler les murs en racontant les moindres furtifs. Alors on continue. À la maison, elle faisait trembler les murs en racontant les moindres futilités, tellement leur cordes vocales étaient à toute épreuve. Ils devenaient dans la rue affolés et gentiment minaudières. Minaudières, voilà. Alors il y a ici deux types de figures de style. Antithèse, pourquoi? Parce qu'il y a deux mots qui sont contraires. Par exemple, elle faisait trembler le mur, on entendait le moindre fait tellement leur cordes vocales étaient en toute épreuve. Voilà, cette expression-là. Il y a aussi troubler le mur. Voilà cette expression-là. Vous dites tout simplement leur bruit est vraiment été assourdissant. La tremblement du mur. Tellement leur cordes vocales étaient à toute épreuve. C'est ce qu'on appelle l'hyperbole. Il y a aussi à fond et gentiment minaudière. Ça veut dire silencieux. Ah, voilà, trembler les murs. Les murs aussi, c'est une sorte d'hyperbole. Bon, il y a des expressions qui sont opposées, ce qu'on appelle l'antithèse, et en même temps hyperbole. Par exemple, les trembler les murs et l'exemple de gentiment minaudière et aphone. Alors, il y a l'antithèse et en même temps l'hyperbole. Je sanglotais à fond l'âme, c'est une sorte de hyperbole. Toute la maison dormait encore, ça veut dire les habitants de cette maison, c'est une sorte de métonymie. Métonymie, c'est une figure de style, oui, c'est une figure de style de substitution, ça veut dire qu'on peut remplacer un mot par un autre. Au lieu de dire toute la maison, on peut dire les habitants dormaient encore. Voilà, c'est tout pour le moment. Je vous laisse maintenant pour comment faire identifier les figures de style.